Hop, le rond, la croix, la vague, le carré et l'étoile. Ok? Ok. Et encore une fois, toi-même, tu vas les mélanger. Et maintenant, petite prédiction. Mets là. Une prédiction. Une seule. Une seule. D'accord. Donc tu vas mélanger, 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 mélanger et tu vas voir ce qu'on va faire. Mais d'abord, tu vas mélanger les cartes. Je mélange vraiment. Oui. Pas juste je coupe. Ah non, tu mélanges. Tu mélanges vraiment. Ouais, hein. Tu mélanges vraiment. Sans regarder. Sans regarder. Totalement, ouais. Le doigt n'est pas marqué. Ah non, non, il n'y a rien du tout. Ça... Oui, bien évidemment, examine et aussi. Puis, on ne voit pas par voilà. transparence. Ah, on ne voit pas par transparence, tu peux vérifier. Et je regarde tous les angles avec la lumière, il n'y a aucun marquage. Pas biseauté. Ben... Attends, on va bien mélanger, même comme ça. Tu vois, comme ça. Ça, là, si tu trouves quelque chose. Non, pas biseauté, pas radio, rien. C'est clean, est-ce que tu as regardé si on ne voit pas la lumière? Ah oui, j'ai regardé, hein, on voit rien du tout. À la... Comment ça s'appelle? Attends, on voit rien du tout. Ça transperce pas la lumière. Clean? Allez, vas-y, remélange une dernière tu fois. Tu profiter pour Ah non, regarder. Non, tiens, regarde, je regarde pas, moi. Ah, okay. De toute façon, ça va être ton choix. Okay, et je vais t'expliquer ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais positionner, en fait, les cartes comme ça. D'accord? Comme ça, de façon à ce que tu puisses toi-même prendre un groupe de cartes complet. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Par exemple, si tu poses la main sur ce groupe de cartes, on retirera ces deux cartes. D'accord. Si tu poses la main sur ce groupe de cartes-là, on retirera ces deux cartes-là. Si tu poses la main sur ce groupe de cartes-là, on retirera ces cartes-là. Et puis forcément, pareil à l'inverse. Donc, et on peut faire au milieu aussi, les trois du milieu. Et on peut faire oui, les trois du milieu, ça je l'ai dit aussi. Donc de cette façon-là, on peut retirer de ce bloc de cinq cartes toutes les cartes. Okay, donc tu as mélangé. La prédiction était là depuis le départ, de toute manière. Maintenant, c'est ton propre et unique choix. C'est toi qui décides. Je te laisse faire. Allez, retire-les et tu gardes les deux doigts dessus. Maintenant, il te reste plus que deux cartes. Sur les deux cartes, tu as bien compris que là, on ne peut plus. Tu gardes juste un seul doigt. Tu poses le doigt sur la carte que tu as envie, celle que tu ne choisiras pas, elle sera retirée. D'accord, elle sera retirée. Oui, il n'y a pas de... Donc, c'est-à-dire que tu veux qu'on retire celle-ci. Voilà. Ok. Ton choix était libre. Ah oui, là. Tu as fait ce que tu voulais. On ne peut pas mieux faire. Ah oui. On ne peut pas mieux faire. Est-ce que je peux te demander de regarder le symbole sur lequel tu t'es arrêté? La croix. Est-ce que tu peux regarder ce que tu as ici? Et c'est quoi? Le rond. Avant quand même d'aller plus loin, c'est que... Je te prouve que quand même les autres tous étaient différents. Est-ce que je peux te demander s'il te plaît Stéphane de venir prendre et ouvrir? Mais vas-y, moi je touche rien, c'est toi qui fais. À l'intérieur, il y a une petite cartounette. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur? Est-ce que tu peux regarder? Oh là là. Non, et c'est bien. Il n'y a rien du tout, et c'est exactement celle que j'avais choisi le rond. Bizarre, hein? Est-ce que tu peux regarder s'il te plaît les autres? Ah oui, on peut pas dire que voilà, que c'est pas les mêmes. Voilà, très important. Est-ce que je peux te demander toi-même de retirer, vas-y, enlève ce qu'il y a dedans. Et là, regarde, miracle. Oh, il faut bien. La croix. Alors, bien, bien. Tu aurais pu avoir le choix sur toutes les autres et une carte. Et avec tout ce qu'on a fait, on est tombé exactement sur le même symbole. Ah ouais, puissant. Bizarre quand même. Voilà.